Robin, mille merci d'être venu en témoigner avec nous ici ce soir. Vous allez céder votre place à un autre invité avec lequel nous allons explorer quels enseignements tirer de tout ce qui vient d'être évoqué ici ce soir pour notre vie en société. Élément de réponse donc avec un autre homme de défi, lui aussi bien déterminé à changer sa vie et à améliorer aussi celle des autres. Voici Serge Thiry. Vous aussi. Merci d'être ici ce soir. Serge, vous avez été fiché pour grand banditisme, vous avez été condamné à 30 ans de prison et puis vous avez bénéficié d'un programme de réinsertion sur mesure. Vous étiez encadré, soutenu par plusieurs personnes, dont Christine d'ailleurs, dont je rappelle que vous êtes Christine aumônière à la prison de Nivelles. Les chemins de traverse, est-ce que je peux dire que vous en avez été un des pères fondateurs ? Ben, c'est vrai que c'est un projet qui est né un peu lors d'une balade avec Christine et Luc et moi-même. Ça veut dire accessoirement. Donc le projet est démarré de là, d'une balade que nous avions fait au Luxembourg ensemble lors d'une retraite. Hein? Nous étions partis un week-end en retraite ensemble, comme ça, quoi, avec d'autres qui sont même ici aussi, dans les gradins. Et qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, tiens, là, il y a une idée? Ben, c'est vrai que moi, quand j'ai fait cette balade avec Luc et Christine et les autres, hein, puisque nous n'étions pas seuls, c'est vrai que j'ai eu une sorte de déclic par rapport... Déjà par rapport à Luc et moi, par rapport à tout ce que j'avais vécu et ce que je pouvais apporter, pour une fois j'avais l'impression d'être valorisé autrement que par mon statut d'ex-détenu. Je me sentais utile, on comptait sur moi. Et je me souviens, lors de cette balade, j'ai pratiquement toujours tiré, quoi, parce que je me sentais à ma place. Et aujourd'hui, vous passez de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire, parce qu'à votre tour, vous allez organiser des randonnées au bénéfice de personnes marginalisées. Comme je vais parfois dans les EPPJ témoigner, comme dans les collèges, pour essayer un peu, encore une fois, accessoirement, de servir à quelque chose, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être un peu génial de faire un projet avec des jeunes qui sont en EPPJ, avec d'autres institutions, avec des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller se promener en montagne, parce que voilà, il faut des bras, vous l'avez vu, hein, à travers ce reportage. Les IPPJ, ça c'est un projet que vous souhaitez développer, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est déjà avec des résidents du village numéro 1, village Anne Fabiola. Absolument, c'est vrai que j'ai la chance aussi de pouvoir travailler au village numéro 1 comme animateur. Et là, il m'arrive de faire de la geôlette. C'est vrai que ça nous arrive rarement parce qu'il faut beaucoup de bras, de l'énergie, tout ça. Donc c'est vrai que j'aimerais en faire plus et donner la possibilité aux personnes qui n'en ont pas l'occasion d'aller se promener dans tous ces chemins de traverse. Vous n'êtes pas loin, quelque part, Serge, de penser que la prison et tout ce que vous avez vécu après, voilà, les chemins de traverse, ça a fini par vous aider à trouver un sens à votre vie? Pour moi, ça a été important parce que c'est vrai que les gens que je rencontre au village, donc les résidents en particulier, ils ne me jugent pas, ils ne me regardent pas, ils voient mon regard et mon cœur. Et voilà, et pour moi, ça fait toute la différence. Je m'épanouis avec eux. Oui. Vrai, je trouve un sens à ma vie. Et ça, bon, ben c'est génial. Moi, c'est vrai que sur mon vélo, quand je vais travailler, je vais en sifflant. Parce que je sais que là, quand je vais arriver, on va me prendre dans les bras, on va me faire des câlins, tout ça. Je vais pouvoir faire de la musique, je vais pouvoir m'épanouir avec eux. Patrick Segal, c'est fou quand même comment on peut se trouver changé simplement du regard de l'autre. À la fois du regard et en même temps de l'enrichissement de l'épreuve. On ne peut pas souhaiter à chaque individu de rencontrer la prison ou le handicap ou les difficultés extrêmes, mais quelque part, ça fait quand même du bien de savoir que derrière cette souffrance, il y a une lumière extraordinaire. Et la lumière, c'est le regard de l'autre, c'est ce qu'on va apporter à l'autre, que l'autre ne pourra pas faire, et on va le compléter. C'est comme si on avait que des jumeaux. On a toujours un jumeau quelque part, et notre détresse devient... d'un seul coup sa liberté. Mais ce n'est pas facile quand même, j'imagine qu'il faut un chemin pour en arriver comme ça, à regarder en face un obstacle et se dire « Allez, toi mon ami, tu seras ma chance ». Je ne sais pas si ce n'est pas facile. Je crois que quand on est confronté à la difficulté, quand on est directement pris dans la prison du corps ou dans la prison de la société, d'un seul coup, l'autre devient essentiel. Je crois que c'est la grande leçon à la fois de votre émission, en même temps la leçon de la vie, c'est qu'on comprend d'un seul coup qu'avec l'altérité, avec l'autre, on va enfin donner un sens à son existence. Cela dit, pas d'angélisme quand même non plus ici ce soir. Ce genre d'expérience n'est pas sans risque, on l'a vu, Christine. Dans cette aventure des difficultés, vous en avez rencontré l'alcool, par exemple, ce problème d'alcool. Très concrètement, il n'y a eu aucun danger pour le groupe, en tout cas dans ce qu'on a vécu cette année.
Mais quand même, la gestion de la vie de l'ensemble du groupe n'a pas été facile à cause de cette question-là. En tout cas, c'est quelque chose qui me tenait fort à cœur. La fameuse question de la règle, Marc De Vos, c'est indispensable dans des équipées comme celle-là, sans doute parce que Arnold le dira, le risque de la montagne est là. Mais dans tout groupe où on vit ensemble, des règles, il en faut. Comment les gérer? Mais effectivement, il y a des règles, mais c'est clair qu'en institution, ces règles sont très artificielles. Il y a les chefs, les sous-chefs, il y a une hiérarchie comme ça, artificielle, mais enfin qui est nécessaire pour la vie en société, dans la nature. Mais je dirais que là, cette expérience que tout le monde peut partager, c'est que c'est la nature qui décide. Qu'on est en montagne et que la météo nous empêche de monter, je dirais que moi, je suis triste de ne pas pouvoir monter. Eux aussi, je râle, ils râlent. Enfin, voilà. Oui. Je dirais que par rapport à la loi de la nature, on est à égalité. Et ça, c'est quand même une expérience comme ça qu'on peut après vivre, extrapoler au niveau de la vie en société. Patrick Segal. Je pense qu'on retombe sur quelque chose de fondamental. La nature est là, l'environnement est là, on fait avec. On s'adapte à la situation, on n'essaye pas de la contrarier, on va dans le même sens, et puis quand ça passe pas, ça passe pas, mais à un moment donné, il y aura l'embellie, et on le voit dans le film, à un moment donné, ils sont sous les trompes d'eau, c'était pas facile, mais c'est précisément parce que c'est pas facile que c'est intéressant. Oui, Luc. Oui, on s'était fixé pas mal de règles avant quand de partir. Mmh. On avait quand même passé pas mal d'heures tous ensemble à réfléchir à comment on allait gérer la vie du groupe. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Je suis juriste et je pense que la règle, elle est là pour éviter que les uns et les autres prennent le pouvoir. Mmh. Et donc la règle, c'est ce à quoi on se réfère tous ensemble et ce avec quoi on part dès le départ. Arnold. Mais le problème ne se pose pas en fait durant la randonnée. Non, voilà. Le matin, les gens sont tout à fait corrects, tout le monde est prêt à partir, ainsi de suite. Le problème, c'est justement la soirée, comment ça se passe, parce qu'on décompresse par rapport à la fatigue. Bon, c'est vrai que la tolérance est aussi différente d'après les gabarits, ainsi de suite, forcément. Mais je crois que durant la randonnée, tout le monde est très sérieux, très, très appliqué, très concentré. Ouais. Et comment peut-être alors cette règle-là, essayer de la rendre plus acceptée aussi le soir quand on est un peu plus détendu que quand on est en montagne? Cette règle, si vous me permettez, c'est vrai que, vous savez, là, les gens qu'on vient chercher, qu'on sollicite pour vivre ce projet, c'est des gens qui sortent de prison. Je veux dire, ce n'est pas là des boy scouts, ce n'est pas là des enfants de cœur qui sont habitués à vivre. Voilà, c'est des gens qui ont été abîmés par la vie, qui ont été très marqués par la vie. Mmh. Non, c'est vrai, quand ils suivent un projet comme ça et déjà qu'on leur met là des règles, bon, ça, tu ne peux pas faire, il a un peu tendance à retomber un peu dans le même système qu'il venait de quitter en étant libéré. Donc, quelque part, il faut un peu tenir compte du vécu de chacun. Parce que, bon, c'est vrai à propos de la règle, vous allez, vous, on l'a dit tout à l'heure, organiser aussi, passer de l'autre côté de l'organisation et organiser maintenant des randonnées. Tout la règle, fait, il faudra la faire appliquer, les chemins de traverse, respecter. Ce n'est pas une voie de garage sur laquelle... Non, mais écoutez ce que je vous dis. Oui, la règle, il faudra la faire appliquer, la faire respecter. Bien sûr, comment comptez-vous vous y prendre? Comment vous imaginez ça, passer de l'autre côté? Ah, c'est pas facile, ça c'est clair. Vous y avez pensé à ça? Moi j'aime bien parler, mais bon. Je m'y prépare, j'essaie de m'y préparer, parce que je me rends compte qu'effectivement c'est un problème. Encore une fois, vous savez, maintenant partir une semaine comme ça avec des gens qui boivent habituellement et qui fument des pétards habituellement, et tout d'un coup pendant une semaine, plus rien. Ben non, c'est impossible. Je veux dire, voilà, il y aura là des dérapages. Là, les gens iront faire des trucs en loose day sans que personne ne voit rien. Donc, Serge, c'est pas évident. Est-ce que réfléchir comme ça à la manière qui sera de faire gérer cette règle, ça vous amène à réfléchir à votre positionnement par rapport aux règles aussi? Absolument, mais bon, je pense que les règles, je les respecte puisque je suis toujours dehors. Marc De Vos. Quel enseignement tirer tout ça par rapport à la règle? Vous en parliez tout à l'heure. Par rapport à la manière de gérer les règles, les frustrations de la vie aussi, au-delà de cette expérience des chemins de traverse, dans la vie, voilà. Quel enseignement tirer tout ce qu'on évoque là? Oui, et je dirais, disons, de pouvoir vivre dans le cadre d'une expérience comme celle-là, des frustrations, je pense, disons, que c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et que moi, je ne vise pas que la réussite. Enfin, c'est vrai, quand on part, disons, c'est pour réussir un sommet. Mais effectivement, si ça ne marche pas, je pense, disons, que l'expérience est tout aussi, je dirais peut-être même plus bénéfique que quand tout marche bien. Là. Pourquoi? Parce que dans la vie, encore une fois, tout ne marche pas bien. Enfin, je dirais que là, on est tous ici, dans cette salle-là, dans la vie, des frustrations, des difficultés, on en connaît tous les jours. Arnold,
la parole aux guides de montagne. Et vous, vous en accompagnez hein, de nombreuses expériences comme oui. celle-là. Quel est votre regard à vous sur, de nouveau, cette fameuse règle? Mais moi, je me considère d'abord un peu comme un outil, quoi. J'arrive là et bon, je propose un programme pour que, bon, premièrement, il surpasse. Hein, c'est un peu le... Moi, je me dis toujours que dans l'effort, eh bien, c'est là que les gens deviennent eux-mêmes, quoi. Hein, et je crois que, bon, là, c'est vrai, les règles de vie sont toujours très compliquées dans les groupes comme ça. Maintenant, c'est vrai que dans l'effort, on n'a jamais eu beaucoup de problèmes. C'est vraiment du naturel. Hein, maintenant, il y a des règles, il faudra certainement qu'on replanche sur le problème un jour ou l'autre pour le futur. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes fragiles. Il faut toujours aussi l'admettre, quoi. Et il faut peut-être les préserver à un moment donné. Vous êtes convaincu, en tout cas, vous aussi, et encore une fois, au vu de votre expérience, que des expériences comme celle-là peuvent, et là je pense à l'expérience avec les jeunes qui sont en IPPJ, à laquelle pense Serge Thierry, que ces expériences donc peuvent changer la vie de ces jeunes marginaux? Oui, déjà le regard sur la personne handicapée déjà au départ, hein, mais aussi sur eux-mêmes, quoi. Se rendre compte qu'ils peuvent servir à quelque chose, que bon, déjà être reconnus en tant que tel, quoi, en tant qu'individu, hein, et pas avec une étiquette, parce que ça c'est fort important, les étiquettes tombent en montagne, quoi. On est tous sur le même pied d'égalité, hein, et je crois que ce genre d'expérience, même avec des jeunes en IPPJ, ça peut être super intéressant, oui. Hein, très constructif pour eux, quoi. Réal, Luc, vous avez senti, vous, le regard des autres changer sur vous? C'est-à-dire, j'ai rencontré des grands handicapés qui n'en sont pas. Enfin, qui sont sur leurs deux jambes. Et qui sont pourtant plus handicapés que moi pour d'autres choses. Et vous, Luc? Moi, je dis toujours, j'ai, entre guillemets, la chance d'avoir un handicap qui est extrêmement visible. Il n'y a pas photo. Et je pense que beaucoup de gens vivent avec des handicaps qui ne se voient pas. Et donc, ils sont continuellement blessés parce qu'on heurte leur handicap de face. Et que, ben voilà, alors ils ont vraiment du mal. Patrick oui. Segal. Si on revient sur le parcours de ceux qui sont allés en prison, ils ont transgressé la loi à un moment donné. Le prix à payer, ça a été l'enfermement. Et je les trouve, moi, plus intéressants dans le comportement, dans la relation à l'autre, que des gens qui édictent des textes ou qui sont là pour faire appliquer la loi. C'est votre conviction, finalement. Changer de regard, ça ne peut se faire qu'en vivant les uns avec les autres. Je ne vois pas d'autre solution. Je veux dire, les êtres humains, depuis Adam et Ève, si tant est qu'ils aient existé, sont condamnés à vivre ensemble. Ouais, mais aujourd'hui, et cette on vit condamnation, quand même très séparés, elle est magnifique. Autres. Elle est extraordinairement... Elle est magnifique. Et votre film, je veux dire, est un hymne à la rencontre. On vit quand même très séparés les uns des autres aujourd'hui, dans la rue, en institution ou quoi, on n'est quand même pas toujours dans une solidarité très présente. Vous voyez où ça mène? Exactement. Vous voyez où ça mène? Je pense que la réponse est là. Et ce que j'espère, c'est que votre document, qui est extraordinaire, puisse passer dans les institutions, il puisse passer à la fois en prison, mais aussi à l'école, car c'est un véritable problème d'éducation. Il y a un véritable programme éducatif à monter au travers d'une aventure comme celle-ci. Oui. Marc DeVos, est-ce que, parce qu'il va bien falloir conclure aussi ce soir quand même, un mot de conclusion, ce serait que tout ce qui crée du lien, finalement, c'est bon à prendre aujourd'hui? Oui, tout ce qui crée du lien, qui permet de se parler, est bon à prendre. Effectivement, ça je pense que c'est une très bonne conclusion. Eh bien ce sera la nôtre ce soir. Mille merci à vous tous d'être venus participer à cette émission, d'avoir partagé avec nous ce défi incroyable. A priori, cette émission était signée Axel Van Hooyenberg et Isabelle Salès, assistée d'Agnès Adam. Ce rendez-vous avec un plaisir tout neuf dans 2 semaines. Bonne soirée, bonne nuit, à bientôt.